voyez pas, mais il est 23h passé et mon maquillage est dégueulasse. Mais j'espère qu'avec la lumière artificielle, ça va faire un joli rendu. Parce que j'ai quand même bien bougé, j'ai bien transpiré, quand je voulais pas du tout me matifier. Parce que j'ai une peau extrêmement sèche, donc ça me souille déjà. Ouais. Donc si vous avez vu ma dernière vidéo, Sol était 2018, donc j'avais fait une vidéo partie 1 spéciale Sol que j'avais acheté de magasin Jennifer. Je vous avais dit que j'allais faire une partie 2 spéciale site chinois. Donc j'ai enfin reçu ma commande sur le site Romri, donc Romri c'est un site chinois comme Jafool et Shein. Je dis pas de bêtises, je crois que c'est la même entreprise mais que les noms sont différents. Voilà, donc c'est pareil, ça peut prendre la même gamme de prix. Quoi que je trouve personnellement que Romri est moins cher que Jafool et que Shein. Après, c'est que mon avis, bien sûr. Donc, j'ai commandé le 26 juin et j'ai reçu ma commande aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est le mercredi 4 juillet. Donc, ça a mis à peu près 8 jours pour arriver. Donc, franchement, via un site chinois, c'est très, très, très rapide. Je m'attendais à les recevoir au moins dans 2 voire 3 semaines, comme c'est la grosse période des soldes et qu'il y a beaucoup de commandes sur le site. Mais non, même pas une semaine, j'ai tout reçu. Donc, j'ai commandé 27 articles en touche, quoi. Donc ça m'a coûté 119,27 € et le prix de base des articles en tout ça faisait 396 €, je crois, j'ai pas de bêtises. Donc clairement j'ai fait une bonne affaire. Donc premier article, c'est ce qui est sur moi. Donc j'ai commandé une petite brassière grise en taille S, bien sûr. Tous les habits que j'ai pris sont en taille S généralement, enfin je crois, j'ai pas de bêtises, ouais, c'est de taille S. Donc cette brassière là, bon, je me rappelle plus du prix, je vais mettre le prix sur la vidéo bien sûr. Donc c'est une brassière en taille S, couleur gris foncé. Donc je l'ai pris pour le sport ou pour la maison, que clairement c'est beaucoup plus agréable une brassière qu'un soutien-gorge, bon, vu de la chaleur en tout cas. Franchement moi j'adore, ça me sert bien la poitrine, mais pas trop. T'as des petits coussins dedans, voilà. Je suppose que tu peux l'enlever sur le côté. Mais franchement, je kiffe la brassière. Après, pour les vêtements, ils sont dans des petites pochettes individuelles qui sont zippées en haut et en bas. Franchement, ça c'est cool. Est-ce qu'il y a le prix dessus? Non, il n'y a pas le prix dessus. Donc, je crois que j'ai pris presque que des hauts. Je crois que j'ai pris 2 pulls, des body et c'est tout, je crois. Ouais, j'ai pas tellement pris que des hauts. Donc, en premier lieu, qu'est-ce que j'ai pris? Donc, j'ai pris un petit crop top couleur vert kaki, je crois. Ouais, toujours taille L. Donc, on va l'essayer ensemble s'il me va bien ou pas. Voilà. Donc c'est un crop top près du corps, taille S, couleur kaki, qui s'arrête au-dessus du nombril. Donc c'est parfait si tu as un petit pantalon taille haute. Donc derrière ça rend comme ceci. Voilà, manche court avec un col rond, c'est parfait pour l'été. Franchement je kiffe le crop top, bien près du corps mais sans plus. En plus avec la brassière ça passe nickel, j'ai l'impression. Ouais, ça fait un joli rendu. Deuxième article, donc toujours mes poussettes zippées, parce que franchement c'est juste top ici, c'est vraiment bien pensé ça. Toujours en taille L, donc qu'est-ce que j'ai pris? Ah, donc ça j'ai pris un body, donc le premier body de la liste. Donc c'est un body noir, comme ceci, le dérayou blanche sur le côté. Ça va être un col comme ceci. Est-ce que le en bas? Ouais, donc en bas t'as des fermetures pour le fermer. Donc je vais pas le mettre parce que... j'ai pas la motivation, désolé. Franchement, j'ai pas la motivation. Je vous mettrai la photo du body ici ou ici. Clairement, c'est vraiment un body près du corps, taille S. Je pense que s'il le fait nickel, ouais, c'est parfait. Si je recule, il est comme ceci. C'est le même body que j'avais dans ma précédente vidéo haul. Travailler en haul solide de 2010, donc la partie 1. Body près du corps, ça c'est parfait. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Oula, alors ça c'est quoi ça? Ok, d'accord, j'ai pris un t-shirt jaune flashy. Voilà, donc comme vous voyez il est coupé sous le devant et plus long sous le derrière, toujours en taille S. La texture me fait penser, texture des t-shirts de maillot de foot à vos mecs, même texture, c'est pareil quoi, en fait c'est la même texture. Hop, taille S, on va l'essayer ensemble. Ouais, de loin c'est comme ça. Ouais, non, ça va en fait, c'est vrai, c'est plutôt loose. Donc c'est vraiment un t-shirt qui taille grand, j'ai l'impression. Je pense que si j'avais pris du XS ça m'aurait encore plus cintré au niveau de la taille, mais franchement ça va, c'est parfait. Oh non, non, j'aime bien le style, un style très décontracté. Non, ça va pour l'été, ça passe nickel. Après il taille grand, ça se voit. Là j'ai pris du S, je flotte dedans.
J'étais même dû prendre du XS, mais j'ai pas percuté que c'était vraiment un t-shirt très très loose. Mais il est bien. Après ça, je pense que c'est encore un body que j'ai pris. Body quoi, ouais. Oula, il m'a l'air bien petit ce body. Hein. Donc là, deuxième body, donc en noir et blanc, où c'est écrit 23 dessus, style Miley Cyrus. Voilà, avec toujours les petites attaches pour le bas, ça c'est parfait. Il m'a l'air bien petit celui-là, j'ai l'impression. Il m'a l'air bien petit ce body, donc je vais l'essayer en off pour voir si vraiment il taille bien ou pas, mais il faut regarder. Il m'a l'air bien petit, j'ai vraiment pris en S. Ouais, c'est vraiment du S. Hein. Bon, je vais l'essayer après, s'il taille bien ou pas, parce qu'il m'a l'air un petit là. De visu, il m'a l'air un petit peu petit. Je vous mettrai en commentaire si oui ou non, il taille bien. Voilà. Après. Là, j'ai pris un haut qui est très à la mode sur Instagram. C'est les hauts où ça se zip pour le devant avec l'anneau. Donc, t'as des petites couleurs arc-en-ciel sur le col. Je pense que c'est un crop top aussi. Ouais, c'est un crop top aussi. Toujours en taille S. Je vais l'ouvrir sur le devant. Il est très, très, très petit par contre. Hein. Ouais. Et derrière, il arrive même niveau que ma brassière. Hop. Il arrive au-dessus du nombril. Il est beaucoup plus petit que le précédent crop top vert kaki. Mais ma foi, il est très très bien pour l'été. C'est parfait. Très beau jean. J'aime bien le rendu. Si vous entendez du bruit, c'est moi. Donc, je vois ma fenêtre parce qu'il est beaucoup trop chaud. Là, je suis en neige déjà, j'ai l'impression. Donc, voilà. C'est trop chaud, la lumière artificielle, franchement, ça ne gâte pas. Après. Une petite camisole, voilà, en taille S, donc là j'ai pris du noir, avec des fines bretelles. Ouais, plutôt pas mal ça. Donc ils iront comme ceci, ouais. Des fines bretelles sur le devant, un petit effet juste ici là. Très très bien. Vraiment une camisole extrêmement simple, basique, mais c'est parfait. On n'a pas envie de prendre la tête pour t'habiller dès le matin. Franchement, j'adore. Près du corps, taille S, c'est parfait. Rien à redire. Et franchement, c'est une qualité coton, style que tu trouves à Jennifer ou même à Zara. Franchement, la qualité des habits, j'ai rien à dire pour le moment. Pour un site chinois, c'est plutôt pas mal. Hein. Après, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est encore un body, je parie. Ouais, donc là j'ai pris un body très simple, un body noir, un body noir avec un zip, une fermeture sur le derrière. Par contre, gros bémol, en bas c'est fermé, il n'y a pas des petites attaches pour ouvrir par le bas. Ça c'est chiant quand tu vas aller faire pipi, tu dois tout enlever, mais bon, j'ai pas fait gaffe. Un body noir très simple, parfait. Pour l'été, même pour l'hiver, hein. Tu mets ça sous un pull, c'est parfait aussi. Après, alors qu'est-ce que c'est? Ah, donc j'ai pris un mini pull, c'est ça. Il est où le devant, il est où derrière? Ouais, donc ça c'est un petit pull très fin avec des manches longues en blanc. Donc je crois que c'est un crop top, ouais, c'est un crop top aussi en taille L. Donc je vais pas le mettre, pourquoi? Parce que j'ai dit du fond de teint, il n'est pas envie de le salir dès le début quoi. Donc je vais pas le mettre parce que comme je suis maquillée, je sens que je vais le salir. Donc voilà, c'est un crop top taille S, manche longue, parfait. Ça vraiment un très joli blanc, c'est un blanc de chez Blanc. Texture, c'est pas du coton, c'est du synthétique, mais franchement, il n'y a aucun fil qui dépasse, c'est vraiment parfait. Donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai pris encore? Donc là j'ai pris un petit t-shirt tout simple, toujours taille S en rouge, où c'est écrit Always Hungry. Voilà, je pense que c'est un crop top, quoique non, c'est pas d'être un crop top, un t-shirt basique. Ouais, voilà, t-shirt basique qui s'arrête à peu près au nombril. Derrière il rentre comme ceci, ouais, très joli, très simple. Voilà, belle, voilà, c'est bien avec un col rond. T-shirt basique, franchement, c'est nickel. Après, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est quoi?
Ah, encore un body. Voilà, un body avec un dos nu. Voyez là, un gros trou là, body dos nu, avec des petits dessins à fleurs sur le devant. Est-ce qu'il m'a l'air transparent? Non, il n'a pas l'air d'être trop transparent. Faudrait que je le teste pour voir si ça passe. Ouais, ok. Col roulé, d'accord. T'as les petites fermetures en bas pour fermer par le bas. Ouais, ouais. Plutôt pas mal. Toujours en S. Donc devant, il est comme ceci. Et derrière, t'as un gros dos nu. Voilà. Mais là, plutôt pas mal. Il n'a pas l'air trop transparent. Vraiment que je l'essaye quand je serai plus maquillée pour voir s'il va bien ou pas. Non, ça va, ça passe, ça passe. Les fleurs ont l'air d'être bien cousues. Ouais, non, ça passe. Quoique, ouais, non. Ça passe, ça a l'air d'être bien cousu sur le, sur le body. Non, ça passe, ça passe, ça passe. Après, qu'est-ce que j'ai pris là? Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Un deuxième body aussi à fleurs. Par contre, là, c'est des fines bretelles, comme vous le voyez. Il est comme ceci sur le devant, voilà. Toujours le même style que le précédent, mais là, c'est des fines bretelles en haut et fines bretelles par le derrière, comme ceci, voilà. Hop. Et il se détache par le bas. C'est vraiment une texture, texture maillot de bain, t-shirt de joueur de footballeur. Ouais, texture très maillot de bain, quoi. Très extensible. Franchement, ça m'a plutôt pas mal. Ouais, voilà. Après, il m'enlève bien grande les bretelles. Après, c'est moi qui joue des tours, ouais. Faudrait que je l'essaye une fois pour voir. Donc, dos nu qui dit pas le sous-saint-gorge, hein. Voilà. Comme ceci. Après, j'ai pris les petits collants qui sont extrêmement à la mode sur Instagram, là. Les petits collants filets comme ceci. Voilà, vous le voyez. Pour mettre sous mes jeans pour faire un effet de style, comme tout le monde, j'ai l'impression. Voilà. Donc, j'ai pris la plus petite tâche, quoi. Que j'ai pris en S sûrement. Voilà. Après, je me suis pris un beau petit, une belle petite brassière en dentelle, toujours en taille S. Elle est magnifique. Regardez-moi ça. Waouh, quoi. Est-ce que c'est même pas, mais non, c'est pas sous un gosse. C'était écrit brassière, je crois, sur le site. Donc voilà, taille S. T'as les petites protections, les petites. Protection pour mieux maintenir top. Ouais, un body avec des fines bretelles, le derrière un petit peu à découvert. Tu as des petites bretelles sur le côté, juste ici, seulement pour faire, pour attacher d'herbe pour un effet de style. C'est parfait. Des attaches vers le bas, voilà, ça c'est bien. J'ai presque pris que des bodys, j'ai l'impression. Vraiment, j'ai quand je suis bien amoureuse des bodys, je crois. Des comme ceci. Voilà, le t-shirt à la mode sur Instagram, hein, donc t-shirt crop top, quoique, ouais, crop top, voilà. Avec un zip sous le devant, avec un petit anneau comme ceci, voilà. Les manches, le col, il est en rouge comme le bas du t-shirt, toujours en taille S. Il est comme ceci, avec, par contre, il est très à découvert sur le côté. Est-ce que là, je ne mettrai pas justement la brassière en dentelle? Ça, c'est à voir, mais comme ceci. Après, qu'est-ce que j'ai pris encore? Encore une petite camisole, un petit crop top, toujours en taille S. Et là, c'est la couleur un petit peu vert. Ouais, gris-vert. Voilà, toujours en taille S, à fine bretelle. Rien à dire, c'est parfait. Elle est comme ceci, voilà. Après, donc là, j'ai pris un truc qui m'a un petit peu intriguée. C'est un soutien-gorge en coque. Voilà. Bon, il s'est un petit peu pété par contre là, ouais, un petit peu beaucoup même. Voilà, c'est un soutien-gorge en coque comme ceci, avec des bretelles transparentes, si j'arrive à bien faire sortir des bretelles, parce que là, je comprends même pas comment ça fonctionne ça. Voilà, comme ceci, donc c'est un soutien-gorge tout en transparent, donc ça c'est des coques en plastique. Les bretelles sont transparentes, ok. Ça c'est parfait quand tu mets des crop tops par exemple, par contre voilà. La couleur de ton soutien-gorge, comme un crop top blanc que j'ai justement. On fait ça pour ça. Est-ce que oui ou non ça fonctionne? Mais je verrai. Ça n'a pas l'air très solide tout ça par contre. Hein. Pas très solide, mais bon, je vais tester à voir si ça fonctionne ou pas. Après, j'ai pris des cache-tétons. Parce que quand tu as un crop top et quand ça aborde sur le côté, ton soutien-gorge, c'est pas très joli. Donc j'ai pris des cache-tétons. Donc là, c'est sous forme de cœur. Vous voyez que dalle là en fait. Hein.
voyez là, forme de cœur, celui-là. Et d'autres sous forme de fleurs. Voilà, cache-téton, tout ce qu'elle est plus basique, hein, je pense que tout le monde connaît maintenant. Le dernier article, c'était une bague. Parce que ça, c'est un cadeau qu'on m'a offert. Enfin, c'est un cadeau de J3Mouy. Donc, une bague, tout ce qu'il y a de plus classique, voilà. Une bague très très simple où c'est écrit Remouy dessus. Un petit peu rigide la bague, mais bon, ça fait le taf, quoi. Donc, voilà. La vidéo est enfin finie parce que je vous avoue que là, il est 23h passées. J'ai extrêmement chaud à cause de la lumière artificielle. Là, je suis en neige, là, ça me souille déjà. Donc, j'ai essayé quelques articles qui m'ont l'air plutôt pas mal. Donc, que de J3Mouy. Donc, clairement, franchement, je suis choquée de la qualité des articles. Tout ce que j'ai essayé, il n'y a pas un fil qui dépasse, mais zéro fil ne dépasse. Les coutures sont extrêmement bien faites. Franchement, c'est très 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 bien fait. J'ai pas de fil qui dépasse. Couteau bien fait. La taille S est conforme à une taille S européenne. Que clairement, tout ça me va. Clairement, tout me va. Franchement, je suis choquée de la qualité. Avant, les étudiants, c'était vraiment pas ça. C'était vraiment limite la qualité. Tout le monde était très mécontent des étudiants. Mais là, maintenant, franchement, c'est une Kylie style Jennifer ou même Zara. Mais je vous avoue, mais en beaucoup, beaucoup moins cher. Franchement, beaucoup moins cher que là. Ça, le crop top style des posts Instagram. Tout le se trouve allez, à 5 euros sur Remouy. À Zara, à 20 euros. Donc, tu vois la grande différence quoi. C'est vraiment une très très bonne qualité. Rien à dire, j'ai zéro fuite qui dépasse. Franchement, qualitatif style Jennifer ou même Zara. Franchement, je suis vraiment très contente des produits et franchement de la rapidité. Ça a mis une semaine à arriver alors qu'on est en période de solde. C'est chinois, c'est parti de Chine jusqu'à la fin et ça a mis une semaine à arriver. Franchement, rien à dire. En fait, période de solde, j'ai reçu mon colis extrêmement rapidement. Un très bon suivi colis. Franchement, du début jusqu'à la fin, je savais où était mon colis. Ça m'a pris zéro quand mon colis a été mis dans ma boîte aux lettres. Franchement, rien à dire. Très 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 bien envoyé dans des petites pochettes individuelles. Ça c'est vraiment topissime. Où c'est écrit chez Indochine. Regardez. En fait c'est écrit chez Indochine. J'ai même pas cité. En fait Zafoul, chez In et Remouy c'est la même entreprise. C'est juste que les noms, le site change. Voilà quoi. Ça que c'est écrit chez Indochine en fait. C'est la même entreprise je crois. Mais les prix et les articles sont différents. C'est pas grave. Moi personnellement, je trouve que Remouy est beaucoup moins cher que Zafoul et que chez eux, j'ai comparé les deux. Et clairement, mon préféré c'est Remouy. Après, c'est mon avis, c'est mes choix. Mais franchement, si vous voulez acheter sur un site chinois à pas cher, je vous conseille Remouy. Si vous voulez acheter des maillots de bain style pot bag de Instagram, je vous conseille Zafoul. Et si vous voulez acheter des t-shirts comme moi que j'ai, des body, des camisoles, qui est très simple. Pas trop cher, genre maximum 8 euros. Je vous conseille Remouy, même hors solde. Il y a toujours des promotions sur le site. Des codes promo, moins 10, 15, 20, 30 euros sur la commande. Franchement, c'est un très bon site. Donc, j'arrête de balbater. Donc, ma vidéo se termine comme ceci. Si vous voulez savoir où j'ai fait ma coiffure protectrice pour le mois de juillet, je vous dis d'aller voir mon vlog numéro 7 qui est déjà en ligne sur ma chaîne YouTube. Donc, tous les liens seront en bas de ma chaîne, de mon vlog numéro 7, des mèches. Combien ça m'a coûté, etc. Il y a des articles seront en barre d'infos. Si j'oublie de les mettre, s'il vous plaît, insultez-moi en commentaire. Que là, je sens que je vais oublier de mettre les liens. Mais je le sens gros comme une bêtise. Parce que je vois la flemme. Voilà. Si je ne mets pas les liens, dites-moi en commentaire de les mettre. Ou sinon, mais ils sont déjà mis dans l'autre. Voilà quoi. Donc, ma commande m'a coûté 119 euros. Et le coût de base était de 400 euros pour le tout. Donc, clairement, très bonne affaire. Donc, suivez-moi sur mon Instagram et sur mon Snapchat. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Si ce n'est pas du tout, abonnez-vous à ma chaîne. Petit pouce bleu. Troisième point, activez la cloche. Être notifié quand je mets une vidéo en ligne. Je vous dis à très bientôt. Bye.